Ah bonjour, un petit unboxing pour ce Sidero, ce sublime Sidero que je me suis offert pour mon anniversaire. Voilà. Donc voilà, Conto, donc c'est un import US. Hein. Donc voilà, hop, hop, hop. Normalement, il y a les yeux qui s'allument et tout. Avec une batterie, tout ça. Donc c'est quoi comme marque? Ah, j'arrive pas à faire la mise au point. C'est Bandai America. Donc voilà, je vous le dis. Hop. Donc on va se regarder un petit peu. Côté de la boîte. Bon, là c'est la même chose. Alors, c'est comme ça. Hop. Et hop. Donc il manque un peu le haut de la boîte, hein, mais bon. Oh, ça va être beau ça. Allez, hop. Sors-toi de là, mon petit Sidero. Hop. Toc. Donc il fait 30 cm de haut, hein, voilà. Mon nom est Sidero. Je répète, Sidero. Alors, est-ce que ça se soulève ça? Non. Là. Les missiles là, est-ce qu'ils font quelque chose? Non, j'ai pas l'impression. Toc, toc. Ouais. Bien sûr, on a un petit système là pour rouler. On a la petite marque. Hop. Voilà. Made in Japan. Un petit interrupteur on-off là. Ok. Donc pour ce qui est de mettre des piles, on a les pieds qui bougent là aussi. Ok. Où est-ce qu'on met les piles? Là c'est un petit peu aéré. On voit un petit peu à l'intérieur, peut-être là. Ah oui. Donc là, la molette là, ça... Ça ressort le missile devant, voilà, toc. Donc il peut faire des avancées comme ça, toc, toc. Ok, donc normalement là il est censé s'allumer des yeux. Où mettons les piles? Ah, je crois que j'ai trouvé. Ça a l'air d'être amovible ça, ouais. Voilà. C'est là qu'on met les piles, donc c'est des grosses piles. Apparemment le système doit fonctionner. Par contre, j'ai pas de grosses piles là sur moi, là. Je crois pas. Il va falloir que j'en achète. Bon, je referai une vidéo peut-être quand on met les piles, du coup, pour voir ce qu'il fait. Voilà, toc, croc. En tout cas, bel objet. Là, je pense que ça doit être cassé. Ouais, c'est censé dépasser là. Hop. Là aussi, il me manque un petit truc noir apparemment qui se mettrait là. À ce que je vois sur la boîte. Actual size, right. Batterie no include, sans blague. Ice flash on and off, move with space sound effect. Ah, il doit faire des bruits et tout. Ah, ça fully posable. Spring trigger chest deflector pop out. Antenna move. Ouais. Made of dura plastic construction with fine quality detail. En tout cas, voilà. En tout cas, un bien bel objet. Donc, je vous ferai sûrement une autre vidéo pour vous le montrer en fonction. Faut que j'achète des piles. Voilà, on remarque aussi que les mains ne sont pas les mêmes. Hein. Hop là. Ouais, donc cette main, il y a un tube. Alors que l'autre, non. L'autre, c'est une main normale. Voilà. Ouais, que je revois dans la série. Si, là, ça, j'ai pas trop fait gaffe, je vois.
Bref. Donc voilà donc le Sidero, donc c'est un jouet américain de Bandai America, donc c'est assez exclusif, je l'avais jamais vu. Et j'ai vu quelqu'un sur Facebook qui le vendait, alors je me suis jeté dessus, littéralement. C'est un bel objet. Un beau Sidero. Je répète, Sidero. Bah, on fera peut-être une autre vidéo, alors c'est. Pour voir comment ça. Je résiste pas à l'envie de faire un petit peu de. Ah, lui il a un petit peu de jeu peut-être. Hop là. Voilà donc 30 cm pour ce joli Sidero qui est bien sympatoche. Voilà, ben je refais peut-être une deuxième vidéo pour qu'on le voit en action. Voilà.